Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo présentation de Lecture Comics. Aujourd'hui, on va s'attaquer au volume 2 de Thanos. Je viens de tourner la vidéo sur le retour de Thanos par Jeff Lemire. Cette fois-ci, on va s'attaquer donc à Thanos, le fameux Thanos gagne par Donny Cates et Geoff Shaw. Un récit que vous pouvez lire sans avoir lu le retour de Thanos, ça ne pose aucun souci. Moi, j'ai lu ça avant de lire le retour de Thanos. Alors, voilà, clairement. Il n'y a aucun souci. Donc, Thanos gagne, récit extrêmement connu sur Thanos. Qu'est-ce que ça va nous raconter? Et bah, c'est tout simplement Thanos qui gagne. Voilà. Non, alors, plus que ça, en réalité, c'est Thanos, ce Thanos du présent, qui va faire la rencontre d'un autre personnage extrêmement connu du Danny Cates-verse, qui est le Cosmic Ghost Rider, qui va lui dire, en gros, Thanos, tu vas venir avec moi. Et il va l'envoyer dans le futur, voilà, des millions d'années dans le futur, où Thanos va faire la rencontre d'un Thanos du futur qui a gagné. Un Thanos qui a vaincu tous ses ennemis, qui a réussi à vaincre la totalité de l'univers, y compris les Avengers. On va voir d'ailleurs quelques pages, voilà, qui vont nous montrer un petit peu comment Thanos a réussi à vaincre tout ce beau monde. Il a vaincu les Inhumains, il a vaincu les Avengers, il a vaincu Galactus. On retrouve même, vous voyez, juste ici, le crâne de Galactus qui lui sert de trône. Et sans trop vous spoiler, le Thanos du futur va demander un service au Thanos du présent. Il va lui demander de l'aide pour vaincre un dernier ennemi. Vous ne raconterez pas qui, parce que. Ce serait vraiment trop vous spoiler. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce comics? C'est excellent. C'est exceptionnel. J'ai vraiment, vraiment aimé. C'est mon premier. Non, peut-être mon deuxième. Mon deuxième récit sur Thanos. Le premier, c'est Thanos l'Ascension. Celui-là, c'est le deuxième que j'ai lu. On retrouve d'ailleurs, voilà, un autre personnage extrêmement connu de l'univers Marvel. Il y a toujours cette petite touche d'humour avec le Cosmic Ghost Rider. On va avoir ses origines d'ailleurs au Cosmic Ghost Rider là-dedans. On va avoir droit à des combats épiques, sublimés par les dessins de Geoff Shaw, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, qui nous propose quelque chose d'absolument incroyable. Ici, on a un autre personnage très connu du lore de Marvel quand il s'agit de Donny Cates. Voilà. Toujours très très violent. On va vraiment. Voilà, là on a les origines. Du Cosmic Ghost Rider, un peu de Galactus. Vraiment, j'ai adoré. C'était super, super fun à lire. C'est pas prise de tête. Même en n'ayant aucune connaissance de l'univers Marvel, on peut quand même. On peut lire ça sans aucun souci. Alors, cette planche, elle déglingue. Vraiment, moi, je vous le conseille à 2000%. C'est fun. C'est blockbuster. Mais c'est quand même intelligent, ça joue un petit peu sur le fan service. Et je suppose que, alors, comme moi je suis débutant dans l'univers Marvel, j'ai peut-être pas cet effet waouh qu'on peut ressentir, mais pour quelqu'un d'expérimenté, qui a beaucoup de connaissances, je suppose que ça doit être vraiment, vraiment encore plus prenant. Du coup, voilà. Je suis un peu dithyrambique sur ce comics, mais c'est normal, c'est. Je comprends pourquoi tout le monde me vantait ce comics. C'est vraiment une très très belle réussite. On a encore quelques variantes de cover présentes ici. Voilà. Et la fameuse frise, qui est globalement, ouais, c'est la même que je vous ai présentée dans le retour de Thanos. Donc pas besoin de vous en dire davantage. Je vous le recommande vraiment à 10 000%, c'était une super, super lecture. Moi, j'espère en tout cas que je vous ai donné envie de lire ce comics, de le découvrir. J'espère que la vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!